Bonjour. La paume de mon pied me gratte. Je sais pas si c'est parce que j'ai par la paume du pied. C'est un blast ce bail. Alors, salut la mif. Comme tu peux le voir, on est de retour pour une nouvelle story time. Installez-vous. Prenez un petit café, un petit thé ou une tisane rafraîchissante. On est parti. Cette story time, elle date d'il y a peut-être 3-4 mois. C'est vachement récent, tu vois. C'était pas une aventure de jeunesse, quoique j'aurais peut-être préféré. Quand j'y repense, ma cage thoracique tremble sa mère. Le parking d'en bas de chez moi, c'est un parking ouvert, d'accord? Donc c'est-à-dire que si que n'importe qui peut se garer là. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment d'absence parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je regarde les affaires qui passent du temps avec ma personne. Et je me dis, mais les bougs, en fait, vous pensez que parce que vous laissez vos affaires chez nous, vous habitez là? Ça va finir dans ma voiture. Rapido! Faut que le camp ma bâtisse. J'ai besoin de tranquillité. Que je vous explique un petit peu le délire. En bas de chez moi, mon parking, c'est une sorte de. C'est ouvert en fait. Ça signifie que, du coup que n'importe qui peut se garer là. Et puis en plus de ça, le parc, c'est pas vraiment. Enfin, si, c'est un parking, mais c'est plus des places à l'extérieur. Et c'est clôturé. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, putain de merde. Oh! Ça ressemble plus à une allée où tu te gares en fait. Et c'est délimité par un autre bâtiment. Sauf que tout le monde peut se garer là, tu vois. Et le truc aussi, ce qu'on fait quand il n'y a pas de place, parce qu'on habite ici et il doit y avoir, je sais pas, 8 places pour un bâtiment, tu vois, c'est qu'on se gare en quinconce. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre pique, pioque, pique, pioque, pioque, pique. Mais on passe, genre les gens peuvent passer, tu vois, c'est que c'est garé en truc, mais il y a toujours de la place pour que l'un ou l'autre puisse partir. Ce jour funeste, si nous pouvons l'appeler ainsi, et on en est assez proche, ce jour funeste était, si je m'abuse, une journée d'automne comme les autres. Le vent était frais. Les oiseaux chantonnaient, les fleurs laissaient apparaître gentiment et timidement leurs petits bourgeons. Et on a décidé de venir me casser les couilles ce jour-là. J'étais du coup avec ma mère porteuse à la baraque. C'est comme ça que j'appelle mes bougs quand je les entretiens. Non, je rigole. Si jamais tu vois cette vidéo, je rigole, on gagne un petit peu pareil. J'étais du coup avec mon gars à la baraque. On est là, on est à la baraque, tout ça, patati. Bon, on allait s'envoyer. Pourquoi à chaque fois que je raconte une story time, il y a une histoire d'envoyer quelque chose? Tout coup, tu n'as pas de pitié pour tes organes vitaux? Bref, on allait s'envoyer, t'as capté. Bah, on allait se. Pép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 
Il est très tard, c'est-à-dire que là, on ne sait pas qui est en bas, tu vois. On se dit bizarre. C'est pas bon, on commence à saper parce qu'on se dit il y a quelque chose en bas là, peut-être qu'il va falloir qu'on saute à deux comme Bonnie and Clyde. Le bouc, il passe sa main derrière. J'en reviens toujours pas. Il passe sa main derrière mon armoire comme ça et il en sort un sabre. Quand as-tu mis ça derrière mon armoire? J'ai dit, mais c'est à moi ça? Il dit, non, j'avais mis ça là. Quand as-tu mis ce sabre derrière mon armoire? Ça se trouve, le boug a fait de moi une nounou sans même me dire, peut-être qu'il a mis de la cocaïne dans le faux plafond. Je n'en saurai jamais rien. Il sort le truc. Je me dis, ah, bon, écoute, allons, tu as l'air équipé, on y va. On descend, moi je rigole déjà dans ma... en me disant, ça va m'énerver. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je rigole parce que quand je vais arriver en bas et que je vais voir l'état de la voiture, je vais être très énervée. Donc je rigolais, tu vois, j'étais là genre... ah, ah, la vie! Faut vraiment faire attention à ce que tu souhaites en général, tout coup. Hmm? Parce que tes choix de vie sont misérables. C'est pas maintenant, on descend, on entend vroom, boum, vroom, boum, vroom, boum. Tu vois, comme quelqu'un qui démarre et qui s'arrête, comme tu vois ton premier cours à l'auto-école. Zoa, ko, zoa, ko. Je sors, je vois déjà une benne. Parce que, tu vois, dans tous les bâtiments, je suppose, t'as les grosses bennes avec les poubelles, où tout le monde jette ses poubelles, tu vois, genre, enfin, la poubelle du bâtiment. Donc, je vois à peu près à quoi ça ressemble, une grosse benne façon. Je sors, je vois une benne au sol. Éventré. Je me suis pas trop posé de questions sur le moment. Je me suis dit, bon, il y a dû avoir une bagarre, quelqu'un a voulu jeter une poubelle, j'en sais rien. Tu vois, je sors, on sort. Et là, je vois ma voiture imbibée d'ordures. Comme si elle faisait un masque relaxant. Jésus! Et puis, t'as le boug qui était en fait, parce que comme on était garé en quinconce, qui était derrière moi, c'est-à-dire que j'étais un petit peu à côté de sa voiture. Ça fait qu'il faut qu'il fasse un créneau pour sortir, façon là. Mais le boug est bourré maintenant. Que depuis, il klaxonnait quoi, 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 pour qu'on lui vienne en aide, pour pouvoir sortir. Il en a eu marre de ne pas réussir à traverser le petit, la petite en brochure, la petite embûche. Il a noyé ma voiture sous des ordures. Ah, j'ai dit non. Mais je te vois du bif ou quoi là? Maintenant, comme on est descendu, je vous rappelle que le boug est descendu avec un sabre. Un truc long comme ça. On dirait. C'était pas un sabre. Tu vois dans les Dalton, les longues limes là. Les limes qui font des gros. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des grandes limes façon. C'est pointu. Et puis tout le reste, on dirait une lime. Mais c'est un truc pour. Je sais pas comment ça s'appelle. Je crois qu'il est dans ma caisse. Et dans les Dalton, à chaque fois, la grand-mère, elle mettait ça dans le gâteau, de toute façon. Des grandes limes, c'est ça qu'il a pris pour truc. Maintenant, on descend, il descend, il voit quelqu'un, le mec bourré qu'on va appeler la bourre, parce que j'en ai rien à faire. Il nous voit arriver, il voit un jeune homme assez grand avec une arme blanche, là. Il a chaud. Bah oui, le boug est armé jusqu'aux dents. Tu ne peux que prendre peur. Donc, il essaie de sortir vite, vite, vite et ça tape ma voiture. Moi, ça me fait rire. En fait, moi, je rigole très nerveusement parce que les problèmes de voiture, je les connais trop. C'est tous les jours. Ça fait que j'étais là. Mon boug arrive avec l'objet contendant vers la bourre pour savoir chacun c'est quoi le bail. Parce qu'en fait, quand il sortait, ça tapait ma voiture. Et il était très proche de sortir. Genre, ça, il allait s'enfuir, en fait, tu vois. Il allait s'enfuir. Ça fait qu'il l'a rattrapé, il a couru un peu, parce que c'est vraiment pas une longue distance. Il a un petit peu truc le pas. Il est venu, il a toqué. Quand, quand. Baisse ta vitre, qu'on discute. Tu veux aller où? Donc, en fait, moi, je n'ai qu'à voir les... Ça veut dire quoi, ça? Mais on me respecte vers quelle heure environ? Chacal, baisse ta vitre. Contrôle de police. Qui êtes-vous et pourquoi? Mais... Je sais pas quoi, ça parle. J'arrive devant le truc, je vois, il y a grave des... Et ma voiture était en train de mariner. Oh non! Mon boug, il dit, chacal, quel bail? Il dit, ouais, mais normalement, on n'a pas le droit de se garer ici. Ce n'est pas la question qu'on t'a posée. Quel est le bail? Réponds! Mon boug, il dit, non, mais on n'a pas le droit de se garer ici. Normalement, c'est la fouillère. Mon boug, il dit, mais chacal, je préfère même que tu appelles la fourrière que tu mettes ma voiture sous les ordures. Ma voiture!
Ah merde. Ah bon? Pour le coup, j'aurais vraiment préféré les ordures parce que aller la chercher, je ne sais où et payer, je ne sais qui encore à l'État. Putain, tu les payes, tu les payes, tu les payes. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, j'étais très calme. Alors que moi, c'est un truc où ça peut me faire très crier, tu vois. Mais là, j'étais très calme. Est-ce que je t'ai dépassé? T'as pris le temps de prendre le badge, ouvrir le truc, aller chercher les ordures, revenir avec la grosse benne, vu, en plus t'es bourré de ouf, t'arrives avec la grosse benne, t'as renversé la benne et t'es parti, j'étais un peu plus loin, t'es remonté dans ta voiture, mais tu ne peux toujours pas sortir, amigo. Donc tout ça là, c'est pourquoi? Je suis posée, je suis très calme, je me dis, mais non, ça n'a rien à voir. Et genre, au bout d'un moment, eux, ils étaient un peu plus loin. Ça allait se taper ou que sais-je, j'écoutais même plus. Mais j'étais là, j'étais posée et en fait, ce que vous vous dites là, ça m'intéresse pas. Chacal, prends un chiffon, va nettoyer ma caisse. T'es un baiser, toi ou quoi? La bourre est dans sa caisse, fenêtre baissée. Moi, j'étais à côté de la voiture parce que tu vas pas bouger d'ici. Tu vas nulle part. Ma voiture, elle est sale. J'y suis pour rien. J'ai rien demandé. Tu ne bouges pas de là. Donc moi, je suis posée à côté comme ça. Car. En plus, vraiment, je me comporte vraiment comme si j'étais grande, tu vois. Genre, j'arrive, pouf, je pose mon coude sur la voiture et puis j'écoute, je suis là et je ricane. J'étais trop dépassée. Il part, ça s'échauffe, lui, il sort pas de sa caisse. Mon bouc, il est là, il est en train de wow, lui aussi, waouh. Ça sort pas de la caisse, ça sort pas de la caisse, ça veut pas sortir. Moi, je suis posée. Et comme une meuf cambrouille dans les bagages, je suis là, ouais, mais de toute façon, il va nettoyer, hein. Parce que en vrai, c'est ce qu'on attend. J'en ai rien à foutre de ce qui s'est passé dans ta tête. Je m'en fous si tu prends des substances que tu n'assumes pas. Parce que moi, quand je suis bourrée, là, je vais pas balancer des ordures sur les gens. Mon téléphone s'est éteint entre-temps. Donc, si le cadre a changé, c'en est sûrement la raison. Je suis trop fatiguée, il est tard. Tu me gaves. Donc là, vos discussions de ça s'embrouille. Qu'il nettoie ça et puis on évolue, tu vois. Il fait, mais c'est pas moi qui a fait ça. Oh! Eh ben tiens, c'est nouveau ça. Ah ouais, c'est qui? C'est le mec derrière là. C'est le mec derrière, c'est lui qui a fait ça. On se retourne par précaution. Peut-être que quelqu'un nous attend derrière avec une batte de baseball pour nous bousiller le crâne. Qui sait? On se retourne, il n'y a personne derrière. Qu'est-ce qu'on est étonné? Mais de qui t'es en train de pénaver? Je le regarde, je me dis, mais donc toi, t'inventes des personnages comme dans Alice au pays des merveilles ou que sais-je comme roman fantastique. Ça va pas? Tu prends du crack? C'est du crack que tu prends? Ou du cyanure? Je te parle! Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. T'es en train d'inventer quelqu'un qui est derrière. Là, tu me fatigues encore plus. Là, ça m'énerve. Déjà, je suis déjà énervée parce que t'essayes de tambouriner ma voiture là depuis tout à l'heure en essayant de sortir. Chacal, recule, je t'indique. En plus de ça, t'es bourré, tu parles, tu postillonnes, tu pues l'alcool. T'es là, pom-pom, dans mon visage qui vient fraîchement d'être hydraté. Je suis désolée. Mon bouc s'approche de la voiture. Il prend son long sabre de sensei pour déblayer. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de dire, il va nettoyer. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et en plus, ça me cassait les... D'autant plus, parce qu'il y avait des gens au balcon qui nous regardaient. J'aime pas les trucs comme ça. Les gens où tout le monde nous regarde, on attend qu'on se batte. Personne ne va se bagarrer, il est tard. Mais mon boug, pourquoi t'es en train de déblayer la voiture comme un de bolos? Le boug ne peut pas sortir, il peut pas sortir, il est bourré. Il peut pas sortir, et puis je suis devant la voiture, il peut pas bouger. Donc il faut bien qu'il ait une occupation de sa soirée. Il va nettoyer ma caisse. Ça m'énerve, je le regarde, je dis bon, il y a des gens. Moi je suis une personne, je ne remets pas en cause les gens. Devant des gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as envie de jouer le mec énervé alors que c'est pas ta caisse. Je te laisse jouer le mec énervé parce qu'il y a des gens, je vais pas t'afficher, t'as vu. Mais juste, moi j'ai dit un truc quand je suis descendue. J'ai dit un truc. Mon gars, la bourre là. Prends tes deux pattes, décolle-moi ta raie du fauteuil sur lequel t'es assis et déblaie ma caisse. Mais toi, t'arrives. Tu prends ton truc et tu déblais genre moi tes actes. Vas-y, tu vas rayer mon pare-brise. Déjà de 1. Et puis de 2, reste là où tu es. Je regarde un peu les gens au balcon. Je dis, je vais pas remettre en cause son. Tu vois, oh là là, sa carapace. Je vais le laisser. Chacal, pourquoi tu déblais la voiture? Il va le faire. Eh, vas-y, je sais pas quoi.
Hey, tu vas pas faire le mec énervé pour une voiture qui n'est pas la tienne, que tu ne conduis pas, que truc. Pourquoi tu veux faire le mec, fais le mec énervé sur lui. Mais pourquoi tu fais le mec énervé sur moi? Parce qu'il y a des gens, tu veux montrer ta supériorité. Tu es un pervers narcissique. Eh, vas-y, genre, il est énervé. Eh, vas-y, il enlève les trucs. Ok, je vais le laisser, sauf que mon bouc, tu vas pas bouger d'ici. Moi, pour moi, c'est lui qui va nettoyer, en fait. Si tu veux me casser la gueule, là, il n'y a aucun souci, mais dans tous les cas, tu ne pourras toujours pas bouger ta voiture. Donc, moi, je reste là. Je ne bouge pas. J'attends, je le regarde déblayer. Il déblaye le boug, parce qu'il y avait les ordures, ça puait. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait les ordures, ça puait. Et genre, ça. Vous savez qu'il déblaye, il déblaye. Et à cause de l'odeur des trucs, le boug vomit. Si c'était pour me faire honte comme ça, il fallait rester en haut. Donc, en fait, tu as fait tout ce cinéma pour déverser tes intestins sur le dance floor. Non, mais n'importe quoi. Je suis posée comme ça et je fais... Je ne lui ai même pas porté assistance. Parce que, en fait, là, tu as fait tout ce cinéma pour venir gerbouiller. Il fallait rester en haut et prendre un thé. T'es malade. Moi, je t'ai dit qu'il fallait pas aller déblayer là-bas. J'ai dit que c'est lui-même qui aurait dû nettoyer. Mais vas-y, je dis rien. C'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, il faut que cette histoire elle se règle. Parce que on a juste enlevé les gros bouts, mais il y a tout le jus d'ordure. Le jus de oh, le bisap d'ordure. Tout ça là, qui était sur ma voiture encore, qu'il fallait nettoyer, quelqu'un va nettoyer ça. Mais ce ne sera pas moi. Jamais de la vie. Le gars parle avec mon bouc, tout ça, nanana, ça discute pendant ce temps-là, pendant que truc, il est énervé, lui, il fait le mec derrière. Ça dure. Ma voiture n'est toujours pas nettoyée. Ça commence à s'incruster, là, qu'on fasse un truc. Gars, il continue à parler et on se demandait si vraiment, pour de vrai, il ne prenait pas d'autres substances parce qu'il était cinglé. Il faisait pitié, en fait. Le mec était tellement rabat qu'il me faisait de la peine. Tu vois, en fait, je le regardais, je disais, mais... Tout va bien à la maison. Le mec était trop rebs. Il était trop rebs. Il va rien faire du tout. C'est bon, il est tard. Il commençait, il était 2h du matin. Il est tard. On va arrêter les frais là, tu vois, parce que ça parlait fort, ça nous regardait, ça, ouais, ouais, moi, je suis là. Et tout ça, là, ça durait. Ça durait. Bon, Bougui dit, c'est quoi, c'est bon, le mec, on peut pas parler avec lui, il est rabat. Déjà, il nous a inventé un petit leprechaun derrière. Non, c'est bon, on va avancer. Il dit, va, viens, on va chercher des pièces à la baraque et on va aller à la station, parce qu'il y a une station service juste à côté, et on va déblayer ça au Karcher, tu vois, parce que ça commence à durer, et en plus... Il allait clairement pas le taper. Le mec était trop rebs. Il était trop bourré. Ça servait à rien. C'était comme taper sur un enfant. Et ça durait. Oh là. C'est moi, je lui ai dit. Que la vieille et mon nom, le monde. Fous-moi le camp de devant moi, là, ton haleine chaude, là. Donc, du coup, mon bouc dit, vas-y, on va aller chercher des pièces pour nettoyer, tu vois, pour aller à la station service et nettoyer. C'est une très bonne idée. Mais maintenant, d'une manière des plus logiques, le boug est encore bourré et il est toujours en possession de ses clés de voiture. Donc, moi, je dis d'une manière des plus logiques, tu vois, parce que ça me paraît pas très compliqué à comprendre. Reste ici, moi, je vais monter chercher les pièces. Je vous rappelle qu'il y a toujours les gens en haut qui nous regardent parce que ça durait, tu vois. Ok, vas-y, reste dans la voiture, on va chercher les pièces. Eh, vas-y, viens, on monte, là. Chacal, je veux bien ne pas remettre ton autorité en question parce que tu as des spectateurs qui sont dans les gradins, il n'y a pas de souci, mais là, arrête parce que tu vas m'énerver pour de vrai. Lui, je lui donne ça, il prend ça. Arrête-moi ta comédia d'alerter là, t'es pas énervé, c'est pas ta caisse. Parce qu'en fait, je marchais devant lui, il a dit, eh, vas-y, viens, on monte. Stop. Mais en plus, tu me connais. Parce que tu sais que si on était trop là, c'est pas comme ça que ça se serait passé dès le départ déjà. Dès le départ, on se serait embrouillé parce que tu es en train de nettoyer la voiture que tu n'as pas salie. Dis ça. Donc là, moi, je suis un peu subjuguée parce que je t'ai laissé un peu de mou. Ne tire pas sur la cordelette. Je m'arrête. Mon gars reste devant la voiture et moi, je vais aller chercher des pièces. Genre, on a besoin d'être à deux pour chercher des pièces. On va les porter chacune comme ça, comme des... Non. En plus, j'entends le bouc qui crie. Il faisait, hey, mon gars, pour pouvoir déplacer la voiture. J'ai dit, tu restes là parce que là, il va forcer pour pouvoir truc. Je n'aurai plus de feu arrière. Donc, reste ici. Comment tu veux faire quoi là, en fait? Il fait, ok, vas-y. Il y retourne. Donc, tout ça là, mais attends, on est où là? On est dans c'est quoi, l'école des beaux-arts? Tu joues à quoi là? Je remonte. Je vais chercher les pièces. Je redescends. Ils sont arrêtés exactement à l'endroit où je les ai placés. Le bouc ne veut toujours pas sortir de sa voiture parce qu'il est ivre mort. Et puis, tu as lui qui est énervé, qui fait le mec, c'est bon, l'histoire est passée, c'est plus l'heure.
À peine on monte dans la caisse, moi, donc, pendant tout ça, en fait, je suis énervée. Et là, en fait, quand je redescends, je suis grave énervée. Parce qu'en fait, si c'était pour faire tout ça, là, pour venir faire le gaou du coin, là, fallait rester en haut. Parce que, mon boug, toi et moi, on se connaît. Tu sais très bien que j'en ai rien à foutre de me faire casser la gueule. C'est les aléas de la vie. Parce que si c'était pour prendre un sabre et descendre avec pour pouvoir l'utiliser comme un petit plumeau de chez Febreze, fallait rester en haut. Parce que moi, j'aurais réglé cette histoire depuis. Quelqu'un se serait fait taper, sûrement moi, mais dans tous les cas, ma voiture aurait été clean. Parce que personne ne serait bougé d'ici avant l'aube. Tu m'aurais démarré, hein. Rien à cirer, dans tous les cas, tu me démarres, ta voiture ne peut pas bouger. T'es trop bourré. Tu n'es pas en cellule de dégrisement ici. Là, le fait que tu nettoies, tu descends pour nettoyer, ça m'énerve. Et puis deux, tu veux faire le mec, eh, vas-y, viens, on monte là. Mais tu parles à quel être humain ici? Je suis pas ta camarade de classe, hein, d'accord? Tu n'es qu'un donneur de sperme, redescends. Du coup, on se barre, on va à la station-service. Il sort, il prend ses pièces, quelqu'un. Moi, j'ai dit que cette voiture, je ne la nettoierai pas ici-bas. Est-ce que c'est compliqué à saisir? Donc, je reste dans la caisse. Je ne vais pas la nettoyer. Tu as voulu aller chercher des pièces, hein? Tu as voulu aller chercher des pièces pour pouvoir nettoyer toi-même. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai dit, je ne vais pas nettoyer. À la base, moi, c'était l'autre là qui devait se charger de nettoyer ma voiture. Tu as voulu faire le mec? Chacal, débrouille-toi. Je reste dans la voiture. Atroce. Je reste dans la voiture. Il dit, tu restes dans la voiture? Tu voulais que j'aille où? Parce que je vais pas nettoyer. Quand j'y pense là, j'ai envie de... Désolée, j'ai fumé un peu. Je vais nettoyer? Je t'en prie. Mais moi là, je ne bouge pas ce truc. Du coup, il nettoie la caisse. Il conduit. Moi, je suis comme as. Parce que cette voiture, ça touche pas. Tu vas la conduire. Tu fais ce que tu veux. Je ne la nettoie pas parce que je ne voulais pas la nettoyer. Et je ne la ramène pas parce que je ne voulais pas la déplacer. Donc, tu vas la ramener. Donc, il est posé, il conduit. Moi, je suis là, je suis fâchée. Il me demande ce qui se passe. Et là, j'explose. Je veux pas qu'on s'embrouille, hein. Mais ça, là, c'était quoi? Parce que frère, gros, si c'était pour faire ça, fallait... Moi, je t'ai pas demandé de descendre déjà à la base. Donc, si c'était pour faire ça, là, fallait rester en haut. Pour faire ton académie des beaux-arts. Moi, c'est non. T'aurais pu rester là, regarder Netflix, boire du thé, et puis foutre le camp au beau matin. Donc, bref, du coup, je lui explique tout ça. Ça serait carré, tatatac. Mais voilà, bref, du coup, mon truc... En fait, il y avait tellement de... On a dû faire au moins 7 G au Karcher, tellement c'était imbibé de trucs. Il y avait des trucs qui étaient rentrés dans le bail. J'ai dit, hey, maman. Ça, c'est sûr, ma voiture va se percer encore. Et donc, pour conclure, toute cette histoire m'a fait clairement passer sous le nez une petite soirée de galopade. J'ai dormi énervé, mon bouc. J'ai dormi raide. J'avais les couilles sèches. Donc, morale de toute cette histoire, par moment, vouloir aider, ça peut être aussi plus bénéfique si t'étais resté en haut au lieu de venir me casser. C'était la fin de cette story time. On se retrouve prochainement pour une nouvelle story time. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites et aussi à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt. Bisous.